suis bien au domicile de Mr. Eric? Oui, 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 c'est ça. Entrez, mademoiselle, entrez, je vous en prie. Vous être Mr. Eric? Ah non, moi, Mr. Minet. Mr. Minette? Non, Minet. Minet. Pussycat. Vous être valet de chambre de Mr. Eric? Ah oui, c'est ça. Je suis son valet et celui de tous les autres. Je suis même leur esclave. Allez, mademoiselle, je fais tout ici. C'est bien simple, je fais tout. Si je ne faisais rien, ce serait un véritable taudis. Je fais toute la vaisselle, tout le ménage, tout, tout. J'arrête pas une seconde. Allez, venez plutôt vous asseoir. Là, allez. Vous pensez que Mr. Eric bientôt revenir? Je pensais oui. Et sans indiscrétion, je ne voudrais pas être trop curieux. À qui ai-je le plaisir de parler? Vous pouvez pouvoir continuer votre travail, mon brave. Eh bien, allez répondre, mon brave. Qui est-ce? Une Anglaise. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mystère et boule de gomme. Bonjour, mademoiselle. Mr. Eric? Ah non, moi c'est Mr. René, mais c'est du pareil, je veux dire, c'est du pareil au même. Vous pouvez tout me dire comme Eric. C'est comme qui dirait mon alter ego, voilà. Je ne pas connaître Walter Ego. Parce qu'ils sont butés, ces Anglais, alors. En tout cas, tu peux passer l'aspirateur parce que moi j'en ai marre de tout. C'est une Anglaise pour Eric. Ah bon, qu'est-ce qu'elle veut? Mister et Plum Pudding. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle? Vous être Mr. Eric? Non, non, moi être Mr. Remy, mais être avec Eric comme frère chez moi. Vous pouvoir tout dire à moi, moi répéter à Eric après. Vous être amie, admiratrice, vous le voir jouer sur scène? Je désirais parler à Mr. Eric en personnalité. Vous comprendre en personnalité? Bien, très bien. Bon. Tiens. Tiens. C'est joli, l'Angleterre? Bah, il paraît que c'est ouvert. En tout cas, ils sont pas très bavards, ces Anglais. Vous savez pas y faire, les copains. Laissez-moi faire, je vais la faire parler. Vous savez, je parle couramment anglais, et là-bas, Bob nous dit que le Dieu l'a fait chaude. Fort. Bonjour, miss. Je suis très honoré de faire votre connaissance. C'est vrai qu'il parle bien, hein? Un accent anglais impeccable. Merveilleux. Vous êtes Mr. Eric? No, I am Mr. Framboisier. I am brother of Mr. Eric. Vous pouvoir dire à moi ce que vous venir faire ici. Puis moi, tout arrangé pour vous. Visite la ville, vous dansez avec moi. Oh, Paris by night avec une belle Anglaise comme vous. Je suis écossaise. Ah, l'Écosse, Marie Stuart, les montagnes, les lacs. Et quel est votre joli petit nom, belle écossaise? Je suis l'honorable Miss Barbara McConnell. Vous êtes là? Oh, excusez-moi, je ne savais pas que nous attendions quelqu'un. Bonjour, madame. Mademoiselle, vous êtes Mr. Eric? Oui, que puis-je pour vous, mon petit? Ah, this is McConnell. Voici Mr. Eric. Elle ne voulait parler qu'à toi. Gentlemen, please, je voudrais être seule avec Mr. Eric. Ah. Hein? Vous avez entendu? Elle va vouloir rester seule avec moi seulement, alors... oust, du balai. On débarrasse le plancher. Hein. D'accord. Oui. Allez, goodbye. Hein. Salut, copain. Goodbye. Hein. Oui. Je suis tout à vous, Miss McConnell. Madame, votre mère avait une cousine nommée Gladys. Fille du mari, de la sœur, du fils, de la belle-mère, du beau-frère, de la sœur jumelle de feu, son frère, Lord Archibald MacFielding,
Vous me suivez? L'impide commandant de Roche, monsieur. Vous pourriez pas recommencer parce que j'ai pas bien compris. Je suis ici en tant qu'exécuteur testamentaire, car grâce à la cousine Gladys, fille du mari, de la sœur du fils, de la belle-mère, du beau-frère, de la sœur jumelle, de feu, son frère Lord Archibald MacFielding, décédé sans héritier, vous vous trouvez être son descendant mâle le plus proche, et il vous a légué en héritage son château en Écosse sur les bords de Loch Ness. Excusez-moi. Je avoir dit Mr. Eric Searle. Mais c'est ma chambre. Vraiment, domestique français très mal éduqué. J'espère que vous pas avoir peur des rats et des chauves-souris. Des rats? Quelle horreur! Il y en a dans le château? Oh, beaucoup. Eux très souvent avoir froid et venir dormir dans le lit. Bonne mère, des rats dans mon lit. Dernière chose très importante. Est-ce que vous jouez de la cornemuse? Oh, non, mais enfin, moi, la musique, ça me connaît, vous savez, guitare, piano, trompette, ouais, je sais jouer de tout ça, parce qu'en réalité, je suis musicien, vous voyez, Miss Mac. Non, ni piano, ni guitare. Ah bon? Mauvais, très mauvais. Cornemuse, uniquement cornemuse. C'est pour le délicieux monstre du Loch Ness. Juste sous les fenêtres de votre chambre, si vous jouez, lui, à minuit, de la cornemuse, il ne vous fera rien. Si jamais un soir vous oubliez de jouer, vengeance terrible, il vous attaquera, il vous dévorera. Ah oui, j'ai bien compris, Miss Mac. Bienvenue in your home, Lord MacFielding. Good night, my lord. Dites-moi, le château, est-ce qu'il a. Enfin, est-ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? Hanté? Oui. Bien sûr que si. Un château en Écosse sans fantôme ne plus être un château. Et vous être un Fielding. Un Fielding, ma lord, n'a jamais eu peur d'un pauvre petit fantôme. Oui, si je saute. Oui, je suis un Fielding. Jamais peur. À bientôt, Lord MacFielding. Oui, à bientôt. Lord MacFielding. Ah, il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que tu fais dans cette tenue, Eric? Tu vas à un bal costumé? Écoute bien, mon petit. Mes ancêtres et moi-même sommes habillés ainsi depuis plus de 2000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer mes habitudes. Mais tes habitudes, Eric, hier encore... Il n'y a plus de hier. Hier n'existe plus. Seul l'avenir compte. Je sais que par le passé, nous eûmes des relations plutôt amicales, mais God bless you. Tu ne peux continuer de m'appeler Eric, car, vu mon rang, tu dois te rendre à l'évidence et m'appeler comme tout le monde. Je suis Lord, après tout. Bon, qu'est-ce que tu préfères, Monseigneur ou Votre Grâce? Oh, Milord ira très bien. Bon, eh ben écoute, Milord, ton paquet, il est là, hein? Salut, Eric. Ça va, Eric? Mais c'est carnaval ou quoi? Mes amis, je veux bien passer l'éponge pour cette fois-ci, mais sachez à l'avenir que je suis Lord MacFielding, père d'Angleterre, duc d'Écosse, grand argentier de la couronne. Mon épée appartient à la reine. Bon ben, quoi qu'il en soit, Lord ou pas Lord, nous, on a passé la journée dans les embouteillages. Ouais. Tout ça pour faire tes courses. Mais la maison de l'Écosse traditionnelle, je te jure. Alors donnez-moi ça, vite. Tiens, Milord. Tiens, Milord. Tiens, Milord. Quoi? Une méthode d'anglais? Tu rigoles ou quoi? Je t'ai dit une méthode d'écossais. Mais c'est pareil, en Écosse, on parle anglais, puis c'est tout. Pas du tout, monsieur. Qu'est-ce que t'en sais, d'abord? Je sais, c'est tout. Tiens, ça, c'est aussi pour toi, Milord. Tiens, c'est aussi pour toi, Milord. Une méthode de cornemuse. Mais ça ne sert à rien. Jouer de la cornemuse, c'est inné chez moi. Ça fait partie de mes gènes, si tu préfères.
évidemment, il faut que je travaille encore pendant 2 ou 3 jours. Mais enfin, j'ai encore quelques problèmes sur les passages d'accord. M'amuse. Mais pour le reste, n'est-ce pas, Mominé? Yes, my lord. Vous voyez que je n'invente rien. Oui, tout à fait. Bon, tiens, regardez, my lord, ceci va vous plaire, je crois. Oh. Mais... Oh là là, ah. Je dois dire, excellent accoutrement pour le voyage. Bon, tout le monde au lit, tout le monde au coucher, car demain c'est le grand jour. Yes. Il faudra être en forme. Yes, my lord. Oui. Le retour aux sources. Je rentre à la maison. Come back home, sweet lady. Je songe à aller au lit. Oh, aussi, il y a des gros gros dedans. Tu as raison d'avoir peur. Tremble, tremble, limace. Qui êtes-vous? Qui suis-je, infâme? Je suis la seule, l'unique, la première dame de ce nom, Lady Macfielding. Oh! Vous êtes le fantôme du château. Ah mais voyez-vous, je suis très heureux dans le fond que vous soyez une fantômesse, parce que c'est bien comme ça, non? Il n'y a aucune raison vraiment de nous disputer, puisque nous sommes de la même famille, n'est-ce pas, Milady? Je renie toi, je maudire toi, de la même famille, pour qui te prend tout. Apprends que l'âme de Janet Macfielding doit errer de par le monde. Elle n'a plus de famille, elle n'a plus que son château, où elle est condamnée à rester pour l'éternité. Ah mais oui, ah, ça évidemment, oh, ça fait un peu long, je reconnais, mais vous devez vous amuser tout seul. Bon, si vous voulez bien, avec mes amis, on va venir vous tenir compagnie et puis on vous jouera un peu de musique. Je interdis toi, misérable, de mettre un pied dans mon demeure. Tu ne dois pas accepter le château du Loch Ness. Ah bon? Pourquoi? Apprends que j'ai égorgé mon premier mari dans notre chambre pour notre nuit de noces. Le malheureux! Et je veux avoir noyé le second dans le Loch Ness. Plouf! Ah! Plouf! Et le troisième? Hein? Le troisième époux, que crois-tu que moi en avoir fait? Je l'avoir jeté dans les oubliettes du donjon. Ses os s'y pourrissent toujours. C'est ce que je veux faire avec toi, si tu oses non, venir. Non, grâce. Pas le cachot. Pas le cachot. Mon quatrième et mon cinquième mari. Tu veux vouloir savoir ce que j'en ai fait? Je les avoir brûlés dans la grande cheminée. Oh, pêcheur, les pauvres. Ils sont venus avoir chaud. Toi, tu auras froid si toi osais venir. Je te jetterai au monstre du Loch Ness. Ah! Au secours, à moi. Le fantôme! J'ai vu le fantôme! Mais ici! Votre fantôme! Mais tu as rêvé, mon pauvre! Il n'y a rien du tout! Mais t'es fatigué! Il n'y a pas de fantôme! Ah non, il n'y a pas de fantôme! Allez, venez, Milord! Je l'ai vu! Allez au lit, Milord! Alors, gentlemen, vous avez tout? Caméra, canne à pêche, guide touristique? J'ai même emporté plein de cache-nez. Allez, en route pour le Loch Ness. Oui, mais justement, le Loch Ness. Vous y pensez, vous, au monstre du Loch Ness? Miss Mac, machin, dit qu'il lance des flammes terribles et dévore tout cru les étrangers. Mais elle a dit ça pour te faire rire, Miss Mac, machin. Et de toute façon, Eric, on est bien assez grand pour se défendre. Et à 5 contre 1, il fera pas le poids, ton monstre. Il y a aussi Lady Janet Macfielding, le fantôme qui hante le château. Parce que, bien que vous ne me croyez pas, eh bien, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu. À mon avis, il a rêvé. Mais non! Elle a même dit que si j'acceptais le château et que je devienne lord, eh bien, elle me jetterait dans les oubliettes du donjon. Mais arrête de te comporter comme un gamin, Eric. Les fantômes, ça n'existe pas, tout le monde le sait. Bien sûr. Les fantômes n'existent
n'existe pas? Moi être Lady Janet Macfielding. Moi maudire les étrangers qui venirent en mon donjon. Ne vous fâchez pas, madame le fantôme. C'est vrai, ça, les copains, si Lady Miss Macfielding le dit, c'est qu'elle ne veut pas, elle ne veut pas. Ah, vous pas vous contrarier. Vous savez, après tout, si on y va là-bas, c'est pour faire plaisir à votre héritier. Ah ah, toi voir Eric Macfielding, tes French domestiques plus sages que toi, toi comprendre? Il est extra-lucide, non, ce fantôme? Il voit tout, il entend tout. J'ai l'impression qu'il me prend pour un cornichon. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? On y va, on y va. Allez, 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 allez. Ah, fantôme d'opérette, tu es moins fier maintenant, hein? Hé, hey, laissez-le moi, je vais le faire parler. Chut, tu rigoles? Ce fantôme est à moi. Mes copains, il passait par la lucarne du fond. Quelqu'un l'a laissée ouverte. Rémi, combien de fois t'ai-je dit de refermer toujours cette lucarne? Tu l'as refermée au moins? Quoi donc? Tu peux m'énerver. La lucarne? Non, pourquoi? Oh, mais je crois pas, ça, il faut que je m'occupe de tout ici. C'est pas possible. À nous le fantôme. Vas-y, vas-y. Miss Mais vous m'avez bien... Mais je commençais à m'en douter. L'honorable Miss McConnell. Une jeune fille si bien élevée. Et de si bonne famille. Oh. Je jure, moi, être vraiment exécutrice testamentaire d'Archibald Lord Macfielding, le dernier Lord. Et vous savez, le fantôme Arthur, lui, en fait, est très gentil. Mais lui n'a pas l'habitude d'être avec des gens, lui, être toujours très seul. Et lui, détester la musique. Et si vous acceptez héritage, lui sera très triste. Pardon ? Lui, être en fait très gentil, très affectueux. Et lui, vouloir conserver patrimoine écossais, le château. Bon, écoutez, Miss Mac, vous m'êtes très sympathique, en plus j'ai bien réfléchi. Alors, ce château, je vous le laisse. Voilà, parce que les travaux, les courants d'air, le monstre du Loch Ness, très peu pour moi. Et puis, en plus, en habit traditionnel, j'ai plutôt l'air d'un sardinier en redingote. Hein. Alors bon... Vous me donnez les papiers, je signe tout, et puis on n'en parle plus, quoi. Le château du Loch Ness est écossais, puis reste écossais, vous le faites visiter, hein, puis surtout, vous prenez bien soin de votre fantôme. Mais de vous à moi, votre histoire de fantôme, je n'en crois pas un mot. Moi non plus. Moi, vous croyez que j'y crois, ou un fantôme? Nous sommes tous maudits jusqu'à la 13e génération. Ah, vous avez l'air malin, les musclés. C'est pas drôle. Alors, Miss Mac, on va se le faire, ce Paris by night? Oh, yes.